L'opération va durer jusqu'à la fin du mois de décembre, a rapporté le site internet de Radio Cara. Lancée le jeudi 18 novembre 2021 à Cara, dans le nord du pays, la campagne nationale contre la rage canine vise à réduire de façon considérable la prévalence de la rage sur le sol togolais. Au total, 250 000 doses de vaccins sont mobilisées par le gouvernement pour la campagne nationale contre la rage canine. Grâce aux partenaires comme l'Union monétaire ouest-africaine, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé animale. L'objectif, c'est de réduire de façon considérable la prévalence de la rage sur le sol togolais. Selon Radiocara.tj, l'opération est organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural. Les propriétaires de chiens, de chats ou encore autres animaux de type sont invités à faire vacciner gratuitement leurs animaux.